Ok, bonjour YouTube. Hop là, je me redresse. Il se trouve que j'ai des runes axées full scaling contre Trundle, pensant être contre Horn. C'est un événement très malheureux qui vient de nous arriver. Ah putain de Brand Jungle, il m'a bien eu. Dog Gaming. Oh putain, on a Senna trop mal drafté avec une Nidalee, ça fait trop plaisir. 14 MS le ping, je suis à 125 au mieux. Bah fais un effort, c'est fou ça. Non, c'est méchant. Hein. Force à toi franchement. Je sais pas si tu es dans... soit avec une côte très désastreuse, soit que tu es malheureusement dans un pays où il n'y a pas de serveur à côté. En vrai c'est triste ça. Genre le fait qu'il n'y ait pas de serveur en Afrique, etc. c'est abusé. Typiquement, je sais pas, tu joues sur quel serveur si t'es en Afrique du Sud? T'as forcément un ping dégueulasse, non? Parce qu'il n'y a aucun serveur proche de l'Afrique du Sud. C'était quand même vraiment loin de Amérique du Sud et Australie. Même Moyen-Orient, je pense que c'est quand même vraiment pas proche. Je sais même pas s'il y a un serveur Moyen-Orient, peut-être que c'est serveur Turquie et j'en sais rien. Je crois qu'il y a un serveur Moyen-Orient, mais pareil, je ne suis pas expert. Ça a tellement d'AS, Trundle, putain. 0,94 au niveau 1. Après, je crois qu'il est, sous un peu de létal, là. Ouais, il avait un peu de létal. Ok, non, je m'avance pas plus, parce qu'il va... Voilà. Toxicoman va... On joue depuis le Sénégal, ah ouais. Bah tu vois, typiquement c'est abusé qu'il n'y ait pas de serveur pour tous ces pays. Genre en vrai, ça m'avait un peu... J'étais vraiment étonné quand je l'ai appris. De jouer à l'aveugle en mode prédire tous les moves, oui vraiment. C'est... bon courage. Bah en vrai, il y avait un OTP Ramus, qui s'appelle Son of Ramus, qui jouait depuis le Brésil, et qui était passé de Chal en EU West. Honnêtement, faut bien trouver son champion aussi, si tu veux mon avis. Il doit y avoir moult champions qui t'empêchent de grind. Je vois pas comment il gagne un 1v1. Il a pas d'ignite, j'ai une wave énorme. Je vois pas comment il me bat en 1v1 en l'état là. Il y a pas son jungler, je vais pas ward d'ailleurs du coup. Moi j'ai envie de delay le crash le plus possible. Hein. Si je peux avoir une wave de CS immense comme ça, il pourra jamais me tuer. Hein. Hop, ça lui coûte qu'un Q spell sur le moment où il doit last hit le canon. Ok, il connaît vraiment bien le matchup. Le fait de mettre le pillar entre lui et moi, c'est vraiment un truc de mec qui connaît bien le matchup. Ouais, je pense que je vais avoir Brand top maintenant. Ça me paraît pas idéal de reset, clairement. Ça me paraît pas idéal, mais d'un autre côté, bah... Malheureusement, s'il y a Brand, je suis mort. Donc c'est plus safe. C'est rien s'il a fait ça en NA et en Brésil. Ouais, j'en avais parlé avec lui, on avait fait un VOC. En vrai, je lui avais dit que je respectais, même si perso, ça me ferait péter un cap de jouer avec autant de ping. En fait, jouer avec autant de ping, je l'ai fait pendant un long moment parce que j'ai eu vraiment des... Genre, j'ai expérimenté mes décos à chier, mais vraiment à chier. Plus des PC à chier. Le prime, c'est quand je jouais sur un ordi portable chez mes grands-parents. Je vous jure que c'est pas abusé. Je jouais en 10 FPS et j'avais, je crois, genre 80 de ping avec des montées régulièrement. Je me souviens d'une game de Malphite où j'étais là, mais je jouais comme un golem, je pouvais rien faire. C'était trop trop con. En vrai, j'ai fait une game et après j'ai arrêté parce que c'était trop sombre. C'était le prime de à quel point c'était de la merde en termes de gear, tu vois, de setup. 10 FPS, tu vois rien. No joke, c'est très moche, mais si c'est si t'as pas de freeze ou si c'est pas genre fluctuant, c'est pas si injouable que ça. Genre, c'est très chiant, tu vois, et t'as clairement un nerf. Et t'as clairement un nerf. Mais si ça fluctue pas trop, genre d'expérience, les trucs vraiment casse-couilles, c'est quand t'as des freezes. Quand t'as des freezes et quand t'as des grosses variations. Genre là, par exemple, je joue à 240 FPS. Mais si j'ai mon PC qui passe à 70, je vais le sentir de fou et ça va me péter les couilles et ça va me déconcentrer, tu vois. Alors que je pourrais jouer à 60 constant, mais sans problème. Vraiment, j'ai fait ça pendant littéralement des années. Quand même, à un moment, j'ai upgrade. Setup, faut pas déconner. Ah, malheureusement, temps de respawn trop court, je ne peux pas. Mais ouais, en vrai, si t'as pas des FPS qui fluctuent trop, c'est pas si chiant que ça. Mais tu vois, même mon 240, c'est pas un 240 constant en teamfight, je vais en dessous, mais ça me dérange pas du tout parce que mon écran est en 144, donc je le ressens pas. Juste parfois, il y a des fights où je sais pas, mon PC pète un peu un câble, ou si j'ai laissé un stream en fond sans m'en rendre compte. Là, ça peut être chiant. Ça va le disengage, hein. Oh non, elle a raté. Nice. J'étais très patient pour EQ, parce que je savais qu'il pouvait me menacer sinon. Si je dis pas de bêtises, il avait encore son flash. Je sais plus que je dise de la merde, mais normalement il avait encore son flash. Pas encore le stride, c'est dommage, je peux pas grid la play parce qu'il y a Brand. Possible qu'il prenne la confiance en voyant qu'il a son jungle topside. Clairement un comportement classique. Moi je pense que je vais crash et reset. C'est pas le meilleur timing, mais c'est mieux que rien. S'il me freeze, c'est pas mon problème. Au contraire, je pense qu'il aurait plus intérêt à push, à essayer de me choper des plates. Faire chier. Là je suis vraiment bien, j'ai 10 CS minutes. Pourquoi? C'est quoi ce Herald, mec? C'est quel genre de Herald sombre ça? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, vraiment? Attends, mais le Brand est numéro dos? Le Brand est un garçon sus? En vrai, je pense qu'il s'attendait pas à ce que je sois là, mais c'était quand même sacrément obvious quoi.
En vrai, j'ai un anti-heal plus le stuff que j'ai, je vois pas comment il me tient. Ah, mais il va tracer sur toute la map, ça va être chiant. Oh, oh c'est bon, elle l'a du coup. Nice. En vrai, je pense qu'il a troll. Hein. Il aurait juste pu tenter de run. Attends, elle va se faire tuer? J'ai réellement peur en voyant le move. Je peux pas. Ah, je suis mort. Non, je vais avoir besoin d'aide. Non, mais il est trop con par contre. Non, mais enfin. Ok, ouais. Il a fait des efforts là, c'est cool. Attends, je suis peut-être là. Non, tellement close. Je vous jure, ça se joue vraiment à rien. On a quelques pixels près de faire Nash là. Oh oh. Putain. Tellement kite. Pourquoi il y a la Syndra ici? Je vais essayer de me mettre devant pour pas qu'elle prenne les Q de Ezreal. On va pas juste Nash en vrai. Oh. Oh shit. Putain, mais ils ont tous tout claqué encore. J'ai l'impression qu'ils ont tout le temps tout en face. Putain, mais on se fait exploser en fait. Y a jamais de move. Il a trollé. C'est qui TP? Oh. Heureusement que j'ai dodge le truc du Brand, putain. Pas faire plus hein, je pense. Après, on a pas la Syndra aussi, c'est complexe. C'est pas que je veux pas contester mon haut, mais avec les HP que j'ai, c'est mort. Hein. Oh non, Mastera qui craque à cause du sbire, c'est FF. C'est pas que je veux pas venir, mais je vais vraiment être un bot quoi. Peut-être défendre solo, hein, qui sait. Non. Moi je suis chaud de fight ça. Hein. Ah je prends tous les Q. Faut le tuer lui. Putain les gars, ça fait plaisir d'être en 7-0. J'ai l'impression de pouvoir tuer un champion en face. Le pire c'est que j'ai ghost, tu sais c'est même pas genre. Je suis en 7-0 mais j'avais pas de sums donc voilà tu vois. Même si ça ferait chier quand même. À la limite je pourrais l'expliquer. Là le pire c'est que j'ai tout claqué tu vois. C'est ça qui me terrifie. Respect, merci beaucoup pour les abonnements. C'est terrifiant en vrai. Hein. Genre se dire que j'ai failli crever et que potentiellement la game était loose si je canais là. Comment c'est possible sérieux? Et je pop le ghost. Oh non, je suis arrivé au pire timing. Non. Même en pingant ça suffit pas ce hélo. Ah ouais, le flash. La guillotine. Putain, elle était dure celle-là en vrai. Nice. GG. Ok, let's go. Nice. Bien. Abonnez-vous YouTube. Merci d'avoir regardé.